On se revoit. On se revoit à mi-cuisson. Alors Alain, mon ami Alain. Il y en a plusieurs de Alain. Et il se reconnaîtra. Bon Alain, mon ami de Lisanne, bien entendu. Ça, c'est pour toi. Voilà. Hein? Voilà. Trop bon. Je mange mon anguille, que vous soyez tous et toutes à mes bungalows pour qu'on puisse faire des belles soirées comme ça, même à la taille, voilà, à la taille. C'est ce que j'aime moi, c'est ça. C'est les filles à droite à gauche qui sont en train de cuisiner. Là-bas aussi, c'est pareil, on va aller voir, on va cuisiner aussi. On boit, on mange, on grignote, c'est l'apéro, il y a tout en même temps et c'est ce que j'aime moi. Voilà, c'est pas programmé, mon fils qui met la musique. Dis maman. Ok, doucement, bien. Votre futur guide, je l'espère. Et votre disjoncteur peut-être. Ah, ok. Ah, dis-moi. Isan. Oui. Ok, dis-moi. Ok, toi, Pet. Ok, dis. Alors, notre petit bar est toujours là. Voilà, voilà. Nathalie. Ça y est, je décolle. Alors, le moreto, on le fait avec ça. Voilà. Je ne m'aime pas. Regardez bien. Voilà. Voilà. Vous avez compris? Kiko, ma, kinana. Kin. Les moreto sont avec ça. Franchement, c'est que du bonheur. Je me languis vraiment. Ça fait maintenant pas mal de temps que je vous fais des vidéos et c'est vrai que. Vous appréciez. Et là, c'est vraiment la vie de Lisanne. Hein. C'est ma vie. C'est ce que je... Voilà. Voilà. Oh, l'encatané. L'encatanas. Comme je dis. Vous allez partager cette vidéo. Ma fille, je t'aime fort. Voilà. 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 Doudou. Oui, l'encatané. L'encatanas. Alors ça c'est bien sûr, ça, c'est mon domaine. C'est le sien aussi, bien sûr. Mais c'est mon domaine. Les grillades... Alors, on peut faire cuire, bien sûr, le poisson avec bien entendu, le porc. Il n'y a aucun problème. Bon, nous, on ne le fera pas parce qu'il y a un barbecue très, très grand là-bas au bungalow. Doudou aussi, né. Moi. Ah, Doudou aussi. Voilà. Et regardez. Ça, c'est excellent aussi. Alors, bien sûr, on les a achetés. On les a mis à peu près une demi-heure. Voilà. Nialaï. Donc là, c'est des gros calamars. Dodo aussi. Voilà. Donc, on les a mis à tremper hein, dans notre sauce à nous. Tout feu au feu de bois. Voilà. Nathalie, tu te régales hein? Voilà. Ça, c'est du bon. Voilà. Donc, comme je disais, là, je décolle. Hein. Je ne suis pas encore à Punta Cana. Nathalie, il n'y a que elle qui peut savoir pourquoi je dis ça. Allez, on va voir un peu après. Regardez. Voilà. 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 Là, la discothèque. Et là, voilà. Alors elle, si vous la lâchez dans la nature comme ça, elle va vous faire péter 3 kilos de... frites. Voilà. Ne pleure pas, Jeannette. La. Voilà. Donc, on va faire plusieurs braises. Voilà, ici. Et là-bas. Donc, vous inquiétez pas. C'est pas vraiment cher. C'est très, très bon. Le poisson, c'est du panin, bien entendu, à la façon Isan. C'est meilleur, c'est vraiment très très bon. On met du gros sel et on va faire cuire justement ce poisson vraiment sur la grillade. C'est excellent. Ici, c'est les calamars qu'on va mettre ici. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va manger. Hein. Voilà. Léo, à qui le frites? Oui, je dis ça. Miam. Voilà.
Donc là, ça se prépare. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir ici? C'est les moukata. Voilà, avec les sauces, avec toutes les sauces qui sont en train de, voilà, de mijoter, la menthe à l'intérieur. Il y a, voilà, c'est du bon. Donc là, c'est que la famille, hein, comme je vous ai dit, c'est les beaux-frères, les nièces, voilà, le neveu. Même mon neveu, il m'aime bien. Ah, franchement, c'est que du bonheur. Vous savez, c'est tellement simple que, voilà, comme je le dis, au plus c'est simple, au mieux c'est. Regardez, aujourd'hui, on ne savait pas qu'ils allaient gagner au loto. Bon, ils gagnent au loto, on appelle le beau-frère, ils vont au marché, ils achètent et ils se disent, ce soir, on mange ensemble. Voilà. En parlant de manger, je viens de manger un moucheron. Voilà, d'où dedans? Ah, la belle-sœur a donné un petit billet à Léo. Voilà. C'est comme ça. Ça, il faudra que je vous explique aussi leur processus à eux. On gagne au loto. Eh bien, on fait profiter la famille. On va donner, comme là, voilà, elle a donné un billet à Léo. Elle a donné un billet à ma nièce. Et elle a donné un billet à mes deux neveux, Kiko et Mempo. Voilà. On va donner aussi un billet à la mère. En fait, on va partager à peu près le gain. Bon, bien sûr, on ne va pas tout partager comme ça. Ma belle-sœur qui a gagné 1000 bahts, elle a dû donner un peu à Pim, un peu à son autre sœur, un peu à sa mère et aux nièces, aux neveux. C'est comme ça, on partage. Et je crois que finalement, ils ont raison. Ils ont raison et moi, ce que je veux vous dire, c'est que c'est vrai que le partage, c'est très, très dur en France. Mais il faudrait que vous y mettez maintenant parce que le monde où on va aller... Le monde où on est en train de mettre un pas, même deux pas maintenant, ça va être le partage. Et vous serez obligé de partager, sinon vous resterez dans votre coin et vous crèverez dans votre coin. Hein. Donc il faut vraiment que vous vous mettez à faire ça. Alors je ne dis pas de partager avec le monde entier, mais vous avez une famille, donc partagez en famille. Voilà. Faites-le. Moi, je trouve ça extraordinaire, eux aussi. C'est notre méthode de vie et franchement, c'est que du bonheur. Allez, je ne vais pas plus en dire. Les frites, voilà. Je vous montre la dernière fois. Voilà. Voilà. Allez. Allez, on va faire des braises. Et avant de faire des braises, regardez. Ah, je sais très bien, maman, que tu te languis, oui, mais bon, quand tu vas y être, tu vas y être pendant un moment, donc voilà. Le top 50. Océane et Christophe vont être bien. Ils vont être sans toi. Ils vont se débrouiller sans toi. Voilà. Ils te verront heureuse ici et en pleine forme. Voilà, avec les massages, avec tout ce que tu auras, ben, tu vas être bien. Eh oui, Marie-France, tu sais comment ça se passe en Thaïlande. C'est des embuscades, c'est la vie, c'est comme ça. Allez, je vous fais de gros bisous. Moi, je vais me mettre... Regardez. Ah, néné, kinko. Kok kinkao. Kiko kinkao. Elle ne partage pas, hein. Nankatané. Et lui là. Léo, ça va? Eh oui, c'est mes poux. Je dis pas si c'est un démon. C'est un démon. Il
อร่อยVoilà mes amis, je vais pas plus vous en... Voilà, vas-y, montre. C'est bon, alors. C'est bon. Dès qu'elle... Elle part pas loin de l'assiette. Elle part pas loin de l'assiette. Hein. Voilà, je vais me servir. Parce que si je ne me sers pas, il n'y en a plus. Voilà. Bon, du temps que je filme, je ne peux pas boire. Donc, je vous embrasse très très fort. Je vous ferai quelques photos. Quand le poisson sera coupé, ainsi de suite. Voilà. C'est un peu ça, la Thaïlande, c'est ça. Exactement ça. Je parle de Lisan, mais je pense que dans toute la Thaïlande, on a des endroits encore comme ça. Et ici, c'est le top. Il y a les frites, mais il n'y a pas l'aioli. Il n'y a pas l'aioli. Voilà. Et lui, il mélange le coca avec le soda citron. Doula. Voilà un katané. Allez, je vous embrasse, je vous laisse. Moi, je vais continuer mon voyage à Punta Cana. Je mets du gasoil, enfin du kérosène dans mon avion. Voilà. Voilà. Nathalie, il est pas beau celui-là. Et en plus, c'est un putain de verre, mon pauvre. Je te dis pas. C'est l'équivalent de deux Moretto. Voilà. Voilà, Raymond et Nathalie, c'est pour vous. Voilà. Et un peu à moi de vous faire un peu guinguette. Hein? Voilà. Allez, je vous embrasse. Alex, bisous, bisous. Bonjour mon ami. Tout va bien à Nissan. Tout va bien dans mon village, dans les villages d'à côté aussi, c'est pareil. Il n'y a pas de soucis malgré le corona circus. Voilà. La vie continue. Puis on vit normalement, vous voyez. Il n'y a pas de masque, il n'y a rien ici. Voilà, c'est comme ça. Allez, une dernière vue sur le poisson, le calamar et le porc. Là, le porc, bon, pour voir comme ça. Ça, c'est une spécialité que je vais faire moi ici dans mon restaurant. C'est des tranches de porc comme ça. C'est excellent au barbecue. Alors, je vais attendre un peu parce que ça fait le zoom. Alors pour ceux qui aiment bien la bouffe, comme on dit, hein, ici ça veut dire bouffer. Grillade et tout, vous serez servi avec Air Thailand parce que je vais vraiment faire quelque chose de fabuleux au coin piscine, franchement. Regardez, les flammes, c'est ça qui est bon, regardez. Voilà, on l'enlève, voilà. Le poisson, il est prêt. Voilà, dans le plateau, voilà. Alors, la tranche de porc, là, voilà. Dès que la flamme, elle brûle la peau, on va l'enlever et on va remettre après. Ça fait le croustillant sur le porc. Et ça. Quand on mange ça, alors ça fond parce qu'il y a du gras quand même. Il y a la viande, mais il y a aussi cette peau du porc qui est grillée. Et quand on la met en bouche, ben ça craquelle. Voilà. Moi je mange des frites. Donc je le répète, ce qu'on va manger, il y a un peu de tout. Voilà.
ะเพิ่งกินอิ่มนะใบครูจะเพิ่งกินอิ่มนะมันมีอีกเยอะอยู่นะเพิ่งกินอิ่มนะพี่ป้าบ้านนี่กินปลากินหมูอิ่มหรอบูบูบูบูมเปล่าPim qui lui dit arrête de manger beaucoup beaucoup sinon elle a mal au ventre parce qu'elle bouffe et après elle a mal au ventre. Donc voilà mes amis, je vais pas plus en vous en faire. Ça cuit de tous les côtés. On va servir la grand-mère qui est aussi elle peut venir bien entendu, mais elle aime bien devant sa télévision. Et voilà. Donc là aussi une table, une deuxième table, les calamars, le porc. Le poisson, les frites pour les grands et les petits, et bien sûr pour nous c'est ici, c'est le Moreto. Bye. Non tout 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 boubou, non tout tout tout, Mehdi mon bébé. Voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous, partagez parce que finalement c'est ce que vous aimez, ce que vous aimerez. Faire avec nous, eh bien, vous allez le faire avec Eric Thailand. Et de plus en plus, vous êtes nombreuses, et ça, j'en suis vraiment fier de ça. C'est que vous êtes nombreux et nombreuses à me dire, Eric, on veut venir chez toi. Je fais beaucoup de devis en ce moment, beaucoup. Je suis quand même. Depuis que j'ai attaqué, ça fait maintenant presque 10 ans, c'est les devis que j'ai fait en plus grand nombre depuis qu'il y a le Covid. Voilà. Donc je pense que parce que vous êtes un peu plus à la maison, mais je sais pas, peut-être vous avez envie de vous évader. Beaucoup de gens qui me disent on connaît la Thaïlande, jusqu'à maintenant on allait sur les îles, mais là on veut maintenant vivre ce que tu vis toi. Et voilà. Donc ils ont compris qu'il n'y avait pas que la Thaïlande, la beauté des plages, mais surtout la beauté de ces gens-là. Voilà, des paysans. C'est là où il faut y aller. Voilà. Au moins le faire une fois, et ça ils l'ont compris. Et c'est vrai que quand on a goûté à ici, c'est dur d'aller sur la plage. Ils y vont parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à mes bungalows, et de là ils vont à la plage, mais au lieu de rester 2 semaines à la plage, ils restent qu'une semaine. Je dis c'est bien, voilà, il faut voir un peu de tout, mais vous êtes nombreux quand même, nombreuses à accepter mes devis, parce que moi je vous fais les devis rapidement. Voilà, et gardez bien ce devis-là parce que je ne changerai pas de prix, ça sera jamais plus haut que ce que je vous ai dit. Ça, je m'en suis engagé à ça. Voilà. Donc, allez-y mes amis, venez à Nissan, je vous ferai découvrir cette vie-là, la vie simple des paysans, tout simplement. Les villageois, les traditions, tout ce que vous voyez avec Eric Thailand, ça sera avec moi. Et on mangera comme ça. Allez, je vous embrasse très très fort, gros bisous à tout le monde, et moi je vais passer une bonne petite soirée avant de rentrer à la maison. Excusez-moi parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de m'avoir, Mylène, Michael, Chantal, Véronique, Alain aussi, excusez-moi, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps, je vous dis que je vous rappelle, j'ai vraiment pas le temps, surtout que là je travaille beaucoup avec mon temple. Et voilà. Mais je vais être un peu plus libre dans les quelques jours qui arrivent. Pas en bateau. Il faut venir en avion. Tu mettras trop longtemps. Tu mettras presque 2 mois pour venir en bateau. Voilà. Vous inquiétez pas. Je sais que vous vous languissez. Je vous dirai quand c'est venir. Je vous donnerai aussi pas mal de dates, pas mal de choses aussi. Et comment venir. Vous inquiétez pas pour ça. Là, pour l'instant, le principal, c'est que vous soyez bien chez vous. Regardez mes lives, partagez mes lives. Il y en a beaucoup qui ont partagé mes lives et ils ont partagé aussi mon Facebook. C'est à rapport à ça que vraiment, j'ai du monde qui veulent venir là, ici. Et ça, je vous en remercie beaucoup. Mon ami Alain qui me fait vraiment beaucoup de publicité. Bien sûr, il attend de venir ici pour justement... montrer tout ça, je le sais. Merci aussi à Michel que j'arrive pas à voir là pour l'instant. Je sais que tu m'as appelé plusieurs fois. Donc je vous fais de gros bisous. Moi je continue mon Moreto, il est là. Parce que mon beau-frère là.
Je pense qu'il a deux ou trois verres d'avance. Oui, la connexion à l'eau parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec Internet et surtout Facebook. Voilà. Mais bon, essayez de reprendre le truc. Mais en live, il y aura peut-être pas ces coupures. Donc, je vous fais de gros bisous. Maman, je t'embrasse très, très fort. Moi, je vais grignoter, je vais boire, je vais manger aussi. Je vous fais quelques photos tout à l'heure. Tu vas les recevoir, comme d'habitude, en privé, pour que je puisse les récupérer après. Voilà. Et je t'embrasse très, très fort. Je t'aime. Vivement que tu sois là avec nous pour vivre et plein de choses. Allez, sur ce, gros bisous à ma fille et ma petite fille que j'adore aussi.